de le tourner. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, un des kangourous m'a attaqué. Voilà ce qui ne va pas. Qui veut une pomme? Une pour toi. Une pour toi. Hey, alors ça, c'est pas gentil, hein. Qu'est-ce qui ne va pas, gardien de zoo, Kenneth? Je crois que j'ai vu un morphle vert. Il m'a pulvérisé de l'eau au visage quand je nourrissais les éléphants. C'est sûr que ça ressemble à Orphel. On va le trouver. Hé, les éléphants, savez-vous de quel côté est parti Orphel? Merci. Allons-y, Morphel. Hé là, petit gars, qu'est-ce que tu fais par ici? Vous allez bien, Lorenz le bâtisseur? Ouais, je vais bien, ça va. Mais ne le laisse pas s'en tirer comme ça, hein. Être ici quelque part. Regardez! Hein? C'était Orphel! Vite, poursuis-le! Cet Orphel est trop bon à se cacher de nous. Je ne sais pas quoi faire, Morphel. Si, on ne doit pas se cacher. Oh, mais ça me donne une idée, Morphel. Si nous nous cachons, il va s'ennuyer et venir nous chercher. Oh! On abandonnerait si facilement, n'est-ce pas? Et si on essayait de jouer à cache-cache sans effrayer personne? Ok, tu ferais mieux de te cacher, parce que nous arrivons. Ces enfants sont tellement bruyants! Mais est-ce que ce serait pas Orphel? Tu ne voudrais pas m'aider à faire quelques farces à Mila et Morphel? Maintenant, Orphel! Ha 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 ha!
Je pense que je sais ce qui se passe. Écoute, Morphel, j'ai une bonne idée. Regarde, Morphel, tu pourrais écraser leur joli château de sable. Ouais. Utilise pour nous faire des farces. Mais que dirais-tu de nous aider à lui faire une farce pour une fois? Oh! Ouais! Salut, Monsieur Vandebouze! Coucou, Mila! Nous sommes désolés d'avoir été si bruyants, Monsieur Vandebouze. Nous ne le ferons plus jamais! C'est bon. Je suppose que je peux retourner arroser mon jardin. C'est étrange. Maintenant, je suis tout mouillé. Mais que se passe-t-il? Mais d'où venez-vous? Oh non! Arrêtez de pousser! Maintenant, mon jardin ressemble à une jungle! Un tigre! Mais c'est vraiment devenu une jungle! Morphel! Bye, Morphel! Oh, Mila! Dépêche-toi!
Waouh, Orphal, tu es l'animal de compagnie magique le plus rapide de la ville. Et Murphal gagne le prix de l'animal magique le plus utile de la ville. Pourquoi tu... Reviens ici, je dois... Ah. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour. J'ai un problème pour lequel j'espérais que vous pourriez m'aider. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voyez-vous, cette partie de la ville a beaucoup d'arbres et de plantes. Mais le reste de la ville pourrait bien en avoir besoin. Peut-être qu'un de vos animaux magiques pourrait aider à transporter des arbres de la forêt vers la ville. Avec l'aide d'Animi, les arbres pourraient marcher jusqu'à la ville eux-mêmes. Super! Maintenant, c'est à toi, Animi. Tu vois tous ces arbres? Ils doivent aller à la ville. Waouh! Peux-tu trouver un bel endroit dans la ville? Elle a besoin de plus d'arbres. Animi a besoin d'un peu de repos. Mais quand il sera reposé, il donnera vie à beaucoup, beaucoup plus d'arbres. Pourquoi n'allez-vous pas voir si tout se passe bien avec les arbres dans la ville? Ouais! Ah, pas dans ma ville! Vous devez bouger, monsieur arbre! Oh! Pas par là! Maintenant, je ne peux plus rentrer à l'intérieur. Quoi? Ah non! Maintenant, je peux plus continuer à construire. Pas encore. Bonjour, monsieur le maire. Ah, vous êtes là. Cette histoire d'arbre ne marche pas du tout. Oh, comment pouvons-nous aider? Pourriez-vous renvoyer tous ces arbres, s'il vous plaît? Bien sûr. Transforme-toi en hélicoptère. Et dis à ton papa d'arrêter d'amener tous les arbres. Qu'est-ce qui ne va pas, Mila? Les arbres causent toutes sortes de problèmes dans la ville. Oups, on va arrêter. Pas dans ma ville. Merci, Mila et Murphal. Merci, Murphal. Maintenant, je peux enfin retourner à l'intérieur. Quoi? Où sont passés les arbres? C'était le dernier. Ouais. Nous avons ramené tous les arbres, monsieur le maire. Waouh! Oh. On va le ramener. Pas besoin.
rester. Ouf. La légende dit que là-haut, au sommet de cette haute montagne, il y a un terrible monstre. Et quand il a faim, il descend dans cette forêt à la recherche d'enfants. Et quand il en trouve, il les mange. Voilà une histoire effrayante et amusante, n'est-ce pas? Marcel, transforme-toi en robot géant. Je n'ai pas peur du monstre. Marcel va me protéger. Je ne crois vraiment pas que le monstre soit réel. Ouais, c'était juste une histoire. Pourquoi n'allons-nous pas le découvrir? Marcel, transforme-toi en hélicoptère. Ok, mais je suis sûre qu'on ne trouvera rien. Dedans. Oh! Une créature est en train de sortir. Tu vois, c'était juste un oiseau. Pas de monstre ici. Un monstre! Il est réel! Le géant des montagnes. Il n'est pas effrayant. Non, c'est un gentil. Alors les enfants, vous avez trouvé le monstre ? Oui, nous l'avons trouvé. Oui, il était très gentil. Et nous avons joué avec lui toute la journée. Bien sûr que oui, c'est ça, bien sûr. C'est génial d'être un ninja. Marvel aussi est un ninja. Ça fait mal. Ne t'inquiète pas, Hugo. Seul un vrai ninja peut frapper à travers une planche. Wow! C'est génial, Marvel. Mon manuel de ninja dit « Un vrai ninja ne peut pas seulement percer une planche, mais il peut aussi très bien grimper. » Ninja Marvel peut grimper. Les ninjas peuvent sauter très loin et très vite. C'est génial. Aussi, un ninja peut se cacher partout. Se cacher? Wow! Où est-il allé? Je sais pas. Oh, tu es là. Tu es vraiment bon pour te cacher aussi. Et maintenant, tu n'as plus qu'à couper des fruits en l'air. Maintenant, tu es un vrai ninja. Quoi? Un vrai ninja? Les bandits! Non, aujourd'hui, nous sommes les maîtres bandits... les maîtres ninjas. Oui, comment Merfel peut-il être un vrai ninja s'il ne connaît pas le mouvement super secret des ninjas? Waouh! Quel est le mouvement ninja super secret? Merfel veut apprendre. Merfel veut être le meilleur ninja. Bon, alors voilà. Écoute attentivement. D'abord, tu dois aller à l'école.
mais personne ne doit te voir y aller. Ensuite, tu dois trouver une jolie fleur jaune. La mettre sur ta tête. Et tu dois danser avec. Maintenant, Murphle apprend les mouvements ninja super secrets. Nous pouvons kidnapper Mila. Oh non! Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour tendre un piège à ton ami ninja, bien sûr. Ah, pour tester le super mouvement secret des ninjas. Bonne idée. Murphle, à l'aide! Murphle, à l'aide! Mila! Qu'est-ce que c'était? Les ninjas se cachent. Je ne vois pas Murphle, Stan. Tada! Murphle, tu es là! Je vais activer le piège, Yann. Mouvement, ninja super secret. Il est en train de le faire, Stan. Oh non, c'est une abeille. Cours, Stan. Te voilà! Les bandits ont fait tout ça pour toi! Oui, merci les bandits! C'est ça! Bonjour, Mila et Murphle. Vous avez reçu un appel. Oh! Qui est-ce? Hé, hey, Mila et Murphle, c'est moi! Les marchands de glace? C'est moi, les marchands de glace. J'ai trouvé un nouveau parfum de glace délicieux. Mais je suis à l'autre bout du monde. Et il n'en reste qu'un tout petit peu. Oh non! Ne vous inquiétez pas, monsieur le marchand de glace. Nous viendrons à vous. Le premier au marchand de glace, il risque de manger toutes les glaces. Non! Ce ne serait pas un autre Murphle? Voiture. Ah, comment vais-je attraper des criminels sans ma voiture de police? Nous devons aider l'officier Freeze à récupérer sa voiture de police, Murphle. Ah, merci, Mila et Murphle. Hein? C'est qui est le plus rapide sur l'eau? Mais moi, oui! Transforme-toi en hors-bord! Bye-bye! Une voiture de course n'est pas rapide.
On doit aider ce singe. Marfal. Anna, c'est Orfal. Orfal. On dirait qu'Orfal est arrivé le premier. Ma toi a mangé toutes mes délicieuses glaces. Oh non. Nous arrivons trop tard, Morphel. Ne vous inquiétez pas. J'ai seulement fait comme s'il avait mangé toute la glace pour qu'il s'en aille. Il y a encore assez de délicieuses glaces pour toi, toi, monsieur le singe. Il y en a même encore pour moi. Merci, monsieur le marchand de glace. Je crois que c'était un tremblement de terre, Morphel. Oh, oh non! J'espère que tout va bien pour tout le monde. Oh, Mila! Allons voir ça. Je me demande où il va. Allons l'explorer. Morphel, transforme-toi en Monster Trek. Il fait plutôt sombre ici. Morphel, rajoute un gros phare sur le toit. Ok, explorons la grotte. Mila et Morphel, dites, est-ce que vous savez qui a fait ce trou? Non, mais on essaie de le découvrir aussi. Ah bah tant mieux, parce qu'ils ont aussi pris mes matériaux de construction. Bon, on va garder un œil sur eux. Allez, allons-y, Morphel. Oh, Mila! Quelqu'un a creusé ce trou et a pris toute la nourriture pour les animaux magiques. Oh mon Dieu! Nous devons trouver rapidement cette personne, Morphel. Regarde, Morphel, c'est Earthshark. Nous ne sommes pas en colère. Tu as seulement pris ces choses pour construire une maison pour ta famille. Oh, c'est trop mignon. Morphel, aidons-les à construire une grande maison. Transforme-toi en grue. Besoin d'un petit coup de main supplémentaire? Maison. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, demande-nous si tu as besoin d'aide. Et maintenant, je crois que nous avons des trous à reboucher. J'ai l'impression qu'il veut nous aider. Super! Alors nous aurons fini en un rien de temps. Ok, c'était le dernier trou. Merci pour toute l'aide et bonne chance avec ta nouvelle maison.
Coucou, Mila et Morphel. Ah, ces deux singes se sont encore échappés. Il faut absolument qu'ils retournent au zoo le plus vite possible. Est-ce que vous pourriez nous y emmener? Bien sûr. Parfait. Transforme-toi en un plus gros bus. Merci beaucoup, Marfal le bus. Et vous deux, vous devez retourner à votre rocher très rapidement. Glace maintenant? Oui. Mila, Morphel, Sarah et moi sommes en retard pour l'entraînement de basket. Pouvez-vous nous y conduire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ok. Allons-y, Morphel. Morphel. Merci, Morphel. Ouais, merci. Bonne chance. On a enfin trouvé le camion de glace. Bonjour, les enfants. Quel parfum puis-je vous offrir aujourd'hui? Je pense que j'aimerais... Oh, Mila, Morphel, oh, vous êtes là. Téléfox a la grippe des animaux magiques et doit être transporté à l'hôpital. Pouvez-vous nous y emmener? Nous irons manger une glace. Ok. Allons-y. D'accord. Bon, eh bien, à bientôt. Hein? Et pourquoi tu nous as emmenés ici, Morphel? Est-ce que l'hôpital a déménagé? Morphel n'a pas conduit ici. Ça doit vouloir dire que Téléfox a dû nous téléporter ici quand il a éternué. Ah, mais oui, ce doit être à cause de la grippe magique. Oh, je suis désolé, Morphel. C'est pas grave. Ok, nous devons nous rendre à l'hôpital rapidement. Morphel, transforme-toi en bus volant. Wow, chaud. Téléfox a dû vouloir aller dans un endroit chaud. Mais toujours pas d'hôpital. Côté hôpital, c'est le désert. Je n'ai jamais entendu parler d'un hôpital sous l'eau. Il n'y a aucun hôpital ici. Mais l'arbre qui porte les fruits dufteux pousse dans la jungle. Et le fruit dufteux est bien connu pour soigner la grippe des animaux magiques. Ah, je crois que j'en vois un. Le docteur Abraham. Docteur Abraham, est dans la jungle? Ah, bonjour tout le monde. Puis-je vous aider? Téléfox a attrapé la grippe des animaux magiques. Il lui faudrait un fruit dufteux pour se soigner. Je pense que Papa Jungle peut nous aider, non? Déjà mieux. C'était une grande chance de vous trouver dans la jungle, docteur Abraham. La jungle? C'est la jungle que Papa Jungle a créée, juste derrière l'hôpital. Eh bien, tu as fini par nous emmener à l'hôpital malgré tout, Téléfox. J'étais sûr qu'il était là. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je vais vous apporter vos glaces. Tous mes livres, Morphel. Morphel, super. J'ai besoin de ton aide. Ce coquin de Sweeperbug a volé mes lunettes et les a cachées dans sa maison pour animaux. Ah, mes lunettes. Morphel fatigué. Morphel fait toujours tout seul. Oh, je suis désolé, Morphel. Oh, j'aimerais qu'on puisse faire tout ce que Morphel peut faire pour qu'il puisse faire une pause. Attends une minute, Mila. C'est une idée géniale.
Voici le Glitterbug. Il peut transformer les humains en animaux de compagnie magique pendant une journée entière. Waouh ! Tu peux nous transformer en Marfel ? Waouh ! Waouh ! Mila, transforme-toi en singe ! Maintenant que nous pouvons nous transformer, tu peux prendre tout le repos dont tu as besoin, Marfel. Je vais me transformer en fusée. Maintenant, comment est-ce que je vole? Est-ce que tu as vu ça, Stan? Si nous volons la Glitterbug, nous pourrons être des bandits Marfel. Les bandits Marfel, Oh, je peux me transformer moi-même. Mila, transforme-toi en voiture de course. J'ai besoin d'aller plus vite. Oh, oh, oh. Oh, on n'arrivera jamais à attraper les bandits comme ça. Transformons-nous en un robot, papa. Un bateau. Allons-y. Oh, un robot. Waouh. Non, Marfel, on s'en occupe. Tu étais fatigué de tout faire tout seul. Tu te souviens? Marfel pas fatigué si on travaille tous ensemble. Vous ne pouvez plus fuir, bandit. On n'a pas besoin de fuir. Glitterbug, transforme-nous aussi. Nous ne sommes pas Marfel, Stan. Non, mais vous êtes des animaux de compagnie magique. Oh non, cours! Nous avons sauvé Glitterbug. Yeah! Maintenant, jouons tous ensemble. C'est d'accord. Maintenant, c'est l'heure de la fusée. C'est très gentil. Merci beaucoup de prendre soin de ces animaux effrayants pendant que le zoo est en rénovation. Aucun problème, Kenneth. Ils ne sont pas si effrayants une fois que l'on apprend à les connaître. Marfel, transforme-toi en camion. Vous voyez, ils se sentent déjà comme chez eux. Ils sont devenus complètement fous, Barky. On ne peut pas garder des animaux effrayants dans son jardin. Ils sont bien trop dangereux. Je crois qu'ils vont devoir l'apprendre d'une manière efficace. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous battez-vous? Allez, couchez. Thank you.
Hey, ça suffit. Peut-être que ça n'était pas une très bonne idée d'amener les animaux ici, papa. Peut-être que tu as raison. S'ils continuent de se battre, nous n'aurons pas le choix. Il faudra les ramener au zoo. Donnons-leur de la nourriture. Peut-être que ça les calmera. Qu'allez-vous faire maintenant, stupides animaux? Non, 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 non! À l'aide! Attends-moi, Barky! Ah! Oh non! Nous devons le sauver, Marvel! Transforme-toi en hélicoptère! Parce que ce sont de très mauvais animaux. À moi la vengeance. Hé, hey, arrêtez! Les avez-vous provoqués pendant tout ce temps? Et alors? Ce sont des animaux effrayants. Oh, yeah.
Je t'ai eu, Marfel. Transforme-toi en un vrai super-héros, Marfel. Qu'est-ce que... Oh non! C'est un automne, un animal magique. Nous te rendrons Mila et Marfel. Tu sais où nous trouver. C'est Orphel. Orphel, s'il te plaît, transforme-toi en costume de super-héros pour aider papa à nous sauver. Hein? Ok. Wow. Regarde, Stan. Bon, allons-y. Bon. Ouf. Je n'arrive plus à voir Mila et Morphel. Orphel, désolé. Orphel et papa travaillent ensemble. Oui, allons chercher ces bandits. Mais je n'ai aucune idée de l'endroit où ils vivent. Pas ici. Quoi? Repose la maison. Désolé. Bon, il ne se cache pas sous la maison. Où pouvons-nous regarder maintenant? Le commissariat de police. Pas ici. Une poubelle. Maintenant, je me souviens. Les bandits vivent à la décharge d'ordures. Oh, oui. Je crois que j'ai une idée pour récupérer Mila et Morphel. Orphel, peux-tu te transformer en un autre animal magique? Arrête! Tu es tellement ennuyeux! Pourquoi est-ce qu'ils sont si longs? On n'aura jamais un animal magique comme lui! Tu aurais dû lui dire où nous vivons! Allons le trouver! Papa, continue, Marcel. Arrêtez. Alors, as-tu un animal magique pour nous? Bien sûr que j'en ai un. Voici l'animal magique Animifant. Nous avons un animal magique, Stan. Nous en avons un, Yann. Ne t'inquiète pas, Mila. Qu'est-ce que tu sais faire? Animaux compagnie magique. Mais Yann, où es-tu? Je me demande où est allé le bandit Yann. Toi et Orphel, faites une super équipe, papa. C'est sûr. Thank you.
Des choses amusantes aussi. Ah, j'ai une idée. Glitterpod peut nous transformer en animaux de compagnie magique. Waouh! Tu peux nous transformer en morphle? Vite, Morphle, transforme-toi en avion.
et cette balle rebondissante. Transforme voiture de course. Non, Orfel, je veux être un robot cette fois-ci. Je ne devrais plus être un Morphel. Peux-tu nous retransformer, s'il te plaît, Glitterpod? Non! Je m'amusais tellement! Oh, Barky! C'était vraiment amusant. Mais être un Morphel était si difficile. Je suis heureuse d'être à nouveau moi-même. Et il n'y a qu'un seul Morphel et une seule Agnès. Et je vous aime tous les deux. Regarde, Morphel! Il y a des dinosaures partout. Mila et Morphel, que pensez-vous de notre nouveau parc de dinosaures? Parc de dinosaures? Oui, le professeur Rachid et moi avons transporté ces dinosaures à notre époque. Parce que tout le monde aime les dinosaures, n'est-ce pas, mon cher ami? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas dangereux? N'importe quoi. Ces dinosaures-là ne mangent pas les gens, voyons. Eh bien, c'est bien. Par contre, ce T-Rex dans la cage... Ça ne semble pas très sûr. Ne vous inquiétez pas, c'est la cage la plus solide du monde. Mais ne touchez pas à ce levier. Il contrôle la porte. Regardez. Et le levier est coincé? Tout le monde, courez! Vite, Morphel! Transforme-toi aussi en T-Rex! Retour au passé! Mila! Deux des dinosaures se sont échappés en ville. Si tu les amènes ici, je pourrai les renvoyer dans le passé aussi. Très bien. Alors, allons-y, Morphel. Transforme-toi en hélicoptère. S'il vous plaît, arrêtez! Ce n'est pas un arbre! Il doit avoir très faim. On peut l'attirer avec quelque chose à grignoter. Transforme-toi en robot! Ramasse cet arbre, Morphel! Ouf! Oh là là! Se passe quelque chose en dehors du parc. Pousse-toi de là, mon pote. Oh.
faire. Hé, doigt! Maintenant, ramasse-le, Morphel. Merci, Mila et Morphel. Sans vous, on aurait été dans un sacré pétrin. Un travail remarquable. Mais que faire du parc? Il a l'air un peu ennuyeux sans les dinosaures. Eh bien, et si vous organisiez un pique-nique? Oui, un pique-nique avec des dinosaures. Endroit pour chercher une île? Non, l'océan! Oh, allons-y! Est-ce que tu vois l'île aux glaces? Non! Oh non! Morphel, transforme-toi en un gros crocodile! Bien, dauphin. Regarde, je vois une île au loin. Peut-être que c'est l'île aux glaces. Morphel, transforme-toi en montgolfière. Hein? Tu as entendu ça, Morphel? Oh oh! Regarde, le tigre a des problèmes. Mais l'île aux glaces. On n'a pas le temps pour ça, Morphel. On doit d'abord sauver le tigre. Morphel, transforme-toi en pelleteuse. Oh! Tu as sauvé le tigre, Morphel. Regarde! Oh, île aux glaces! On l'a trouvé! Allons-y avant qu'elle ne s'éloigne à nouveau! Oh non! Ce singe a besoin de notre aide! Allons-y, Morphel! Oh! Nous devons faire fuir les crocodiles! Transforme-toi en mégaphone. Éloigne-toi du singe. Oh non! Transforme-toi en oreiller. Ouf! Oh, c'était juste. Fais plus attention, ok, monsieur le singe? Mila, l'île aux glaces, où? Je ne sais pas, Morphel. On dirait qu'on l'a raté. Oh, c'est encore Monsieur Dauphin. Bonjour, toi. Salut. Oh, ne sois pas triste, Morphel. On pourra toujours essayer de trouver l'île aux glaces l'année prochaine. Ah, oui. Oh! Tu as envie qu'on te suive? Ok, Morphel, suivons le dauphin. Ouais. Oh, regarde, Morphel! Plus de sauvetage? Non, c'est l'île aux glaces. L'île aux glaces, je l'ai trouvé. Ha ha.
Hein? Salut, Mila et... Morphel, il semble que j'ai la grippe et je suis incapable de travailler. Est-ce que nous pouvons vous aider, Monsieur Joe? Morphel aide. Ces véhicules doivent être livrés à leur propriétaire rapidement, mais... Arrête! J'avais cette liste... Mais je pense qu'on peut encore trouver une solution. Morphel, transforme-toi en un énorme camion rouge. Je pense que le tracteur doit aller à l'officier de police Freeze. Officier police Freeze a besoin de tracteur? Oui, je crois que c'est ce qui est écrit sur la liste. Mais ça... Je suis désolée, officier de police Freeze, mais nous sommes pressés. Salut, Mila et Morphel. Comment ça s'est passé? Tout a bien été livré, Monsieur Joe. Super. Est-ce que la liste a été utile? Eh bien... Thank you.
Barky. Qu'est-ce que... Oh, c'est un dragon. Reviens, Barky. Mais que se passe-t-il? Un dragon? Ce n'est pas un vrai dragon. Non, pas de dragon cracheur de feu dans ma ville. Allez, Oust. Oui, chut, allez, Oust. Morphel n'est pas un vrai dragon. Pas vrai, Morphel? Morphel? Personne n'aime Morphel. Coucou, Mila. Bah non. Je cherche notre nouvel animal de compagnie magique, Ampli. Il semble avoir disparu. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Le pouvoir magique d'Ampli, c'est qu'il peut rendre n'importe quel son plus doux ou plus fort. Et maintenant, tout le monde va pouvoir nous entendre partout. Oui, 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 oui. D'accord, mais maintenant, arrêtez ça. Non, vous, vous allez arrêter. Oui, 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 oui. Ah, c'est tellement fort. Ah! Allons-y, Yann. Rendez-nous Ampli. Stan, Morphel n'est pas avec elle. Et sans Morphel, absolument personne ne pourra plus nous arrêter. Mila! Morphel, à l'aide! Morphel, aide Mila! Morphel, arrive! Bouh! C'est drôle, Stan! Oui! Surtout ça! Morphel! Oh oh! Pas la peine de s'inquiéter! Les dragons ne peuvent pas se boucher les oreilles! Morphel, transforme des protections pour tes oreilles! Oh non! Maintenant, on peut s'inquiéter. Fuyons! Morphel, utilise ton feu pour arrêter les bandits! Wow! Un seul dragon, c'est pas assez pour nous attraper. Morphel, pas assez. Attention. Dragon. Morphel, utilise ta flamme pour piéger les bandits. Ils nous ont eu, Stan. Oui. Oui. Vous n'avez pas le droit d'être aussi bruyant dans ma ville. Vous deux, direction la prison. Mila, Ampli. Oh, je suis soulagé que vous alliez bien. Je crois que j'avais tort à propos des dragons. Je n'aurais pas dû vous chasser. Ouais. Nous vous attraperons toujours, alors vous devriez arrêter de faire des choses méchantes. Si seulement nous avions notre propre Morphel. Regarde, Stan. Hey, Morphel, j'ai une idée. Un singe? Rends-moi mon appareil photo! Ah,
Est-ce que c'est pas génial? Quoi? Comment est-ce que vous êtes sorti de prison? Ah, pas dans ma ville! Oh non! C'est l'officier Freeze! Pas de problème! Orphel, transforme-toi en dinosaure! Un T-Rex! Oh non! J'ai pensé quand même que tu allais être un peu plus gros, dinosaure. Bah, mais c'est quoi ça? Oh non! Tu aurais pu empiler les voitures un peu mieux, Arfel. Merci, Morphle. Les bandits et leurs singes ont mis mon appareil photo là-haut et ils se sont enfuis. Les bandits se sont enfuis avec un singe? Nous devons les poursuivre, Morphle. Les bandits ont utilisé une grue pour faire ça. Ils avaient aussi une grue? C'est vraiment étrange. Merci, Morphle. C'est Mila et Morphel. Oui, mais nous avons Morphel. Transforme-toi en quelque chose de grand. On pourrait pas avoir des sièges ou quelque chose? Oh! Tu t'es transformé tellement vite que nous avons failli tomber. Fais attention. Tu ne peux pas aller un peu plus vite? Notre espace est beaucoup trop petit. Yeah, donne-nous un peu plus de place, Orphel. Ça suffit. Bandit, pas assez long pour jouer. C'est ce qui arrive quand on est tout le temps méchant. Les bandits. Salut, Glitterpeg. Tu peux me transformer en Morphle à nouveau? Youpi! Coucou, Morphle. As-tu vu... c'est toi, Mila? Oui, je veux m'entraîner aux transformations pour pouvoir aider Morphle dans nos aventures. Bonne idée! Tu crois que tu pourrais aussi me transformer en Morphle? Moi aussi! Génial! Maintenant, je peux chercher les dinosaures en tant que dinosaure. Oh oh! On peut vite avoir des problèmes quand on ne peut pas contrôler ses transformations. Allons après Hugo! Transformons-nous en robot, Morphle! Je vais rester avec ma fidèle fusée morphe. Oh! Voler est fatigant, mais pas avec des fusées. Waouh! On dirait un endroit où vivent les dinosaures. Wow! Ça va, je vais bien. Oh, je n'ai pas vu un seul dinosaure. Je devrais me transformer en dinosaure moi-même?
Qu'est-ce que c'était? Nous devons trouver Hugo. Mais le bébé? Je vais garder le bébé singe en sécurité. Oh, pas de dinosaures ici non plus. Pourquoi n'y a-t-il pas de dinosaures? L'éléphant est coincé. Je vais aider l'éléphant. Tu vas chercher Hugo. Salut Morphle, tu as vu des dinosaures? Il n'y a pas de dinosaures ici, parce qu'ils ont vécu dans le passé. Tu es le seul dinosaure ici, et tu as effrayé tous les autres animaux. Oh oh! Salut les singes, vous cherchez votre bébé? On va vous ramener tous ensemble. Oh! Je suis content que tout le monde aille bien. Vraiment désolée d'avoir causé tous ces problèmes. Je voulais juste jouer avec des dinosaures. Hugo peut jouer aux dinosaures? Yeah! Oh yeah! Oh! Tu es si rapide. Oh, faisons une course. Oui, une course. Le premier arrivé dans la cour de l'école gagne. À vos marques. Bien sûr, pas vrai Orphel? Oui. Ensuite, on va courir jusqu'au chantier. Allons-y. Tu sais, tu pourrais être beaucoup plus rapide avec un booster de fusée. Fait la course jusqu'à l'hôpital. D'accord. Et c'est parti. Oh! Morphle, transforme tes jambes pour sauter. Oh! Morphle, transforme les jambes du robot. Survoler. Orphel, rajoute un rotor d'hélicoptère. On a gagné, Orphel.
transforme-toi en... Bah, fais pareil. Wow! On a couru jusqu'à toi, papa. Qui a gagné? Je suis quasiment sûr que vous avez terminé en même temps. Wow! Maintenant, on fait la course jusqu'à la maison dans ma voiture. Merci, Marfel. Au secours! Ah, non, pas dans ma ville! Vite, il faut ramener le tigre aux eaux. Ok. Regardez-moi ça! Une météorite! Orphel, arrête la météorite! Maintenant, la météorite se dirige vers la ville. Ah non! Arrête la météorite, Morphel! Bon travail, Morphel! Tu as arrêté la météorite! Tu es vraiment un super-héros, Morphel! Laissez-nous partir! Non, non! Nous avons besoin de vous pour notre piège pour attraper Morphel. Au secours! Au secours! Oh non! Nous devons les aider! Morphel, super-héros, au secours! Morphel, stop! C'est un piège! Morphel, aide! On t'a attrapé, Morphel! Attends! Ce n'est pas Morphel! C'est Morphel! Il est ici, Morphel! Morphel, peux-tu amener l'agent Freeze ici pour arrêter les bandits? Qu'est-ce que tu... Oh! Les bandits! Ha! Merci, Morphel! Merci de nous avoir sauvés, Orphel. Tu es un vrai super-héros. Hey, ne vous inquiétez pas, madame. Je vais réparer votre voiture en un rien de temps. Attendez voir. Ouais, j'ai oublié mes outils au garage. Je suis toujours si distrait. Mon Dieu. Mais n'ayez pas peur. Je vais vous remorquer. Super.
vous avez oublié de me remorquer. Mister Action. Da-da-da. Morphel, s'il te plaît, est-ce que je pourrais jouer moi aussi avec ton jouet Mister Action? Mila, Morphel, venez jeter un coup d'œil à mon nouvel animal magique. Waouh! C'est quoi son pouvoir magique, papa? Je vais vous montrer. Allez, fourre-tout, mets tout ce qui est sur ce comptoir dans ta coquille. Oups, pas ça, fourre-tout. C'est Morphel. Allez, remets-toi en place. Est-ce que ça va, Morphel? Oui. C'était pas facile. Je pense que Fourre-tout est un super animal magique, papa. Mais où est-il passé? Oh! Mister Action! Oh non! Je crois que Fourre-tout a pris le jouet Mister Action de Morphel. Mister Action disparu! Mister Action manque Morphel! Ne t'inquiète pas, Morphel. On va le retrouver. Change-toi en chien de recherche. Salut, Mila et Morphel. Auriez-vous vu mon tournevis électrique? Il était juste là. Oh non! Fourre-tout a dû sûrement le prendre. Suis la piste de Fourre-tout, Morphel. Hein? Mais qui a volé mon marteau? On dirait que Fourre-tout est aussi passé par là. Ah, Mila, Morphel, il semble que ma clé ait disparu. Vous l'avez vu? Nous sommes sur l'affaire, professeur Rachid. Mécanique Joe, est-ce que tu peux m'aider? Eh bien sûr. D'abord, j'aurais besoin d'un tournevis électrique. Hey, bonjour toi. Oh, un tournevis électrique? Oh, juste ce qu'il me fallait, merci. Maintenant, il me faut une clé. Oh! Tu as aussi une clé à molette? Super! Maintenant, il me faut un marteau. Tu n'en aurais pas un par hasard? Tu en as un? Waouh! Voilà, terminé! Je n'aurais jamais pu réparer ce bus sans ton aide. Tu es le meilleur animal magique du monde. Fourre-tout, te voilà. Tu es parti avec le jouet Mister Action de Morphel. Et tu as sûrement aussi pris d'autres choses aux gens sans leur demander. Non, ce n'est pas bien, Fourre-tout. Il ne faut jamais prendre des choses aux gens sans demander d'abord. Super! Maintenant, il faut qu'on aille rendre tout ce que tu as pris. Ah! Voilà la clé! Merci! Maintenant, on peut réparer ton autre jambe, autorobot.
Mais je me demande bien où est ce marteau. Il n'a pas pu s'en aller comme ça quand même. Alors, c'est vous qui aviez mon marteau. Les enfants de nos jours, ils prennent toujours tout sans demander. Vous revoilà. Ah, mes outils. Merci. Tu sais, Fortou, si tu veux, à partir de maintenant, tu peux être mon animal magique. Tu pourras porter tous les outils pour moi. Cela m'évitera de les oublier. Oui, Fortou, tu peux prendre ce marteau. Je pense que vous et Fortou ferez une bonne équipe, Mécanidio. Ouais, il n'y a pas de meilleur animal magique pour un mécanicien distrait comme moi. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'autre. Mais c'était quoi? Mais où est donc passé ce mécanicien? Il m'a dit qu'il revenait tout de suite. Je ne vais pas passer la journée au milieu de nulle part. Je suis sûre qu'il m'a oublié. Mais je ne vais pas pouvoir entrer à pied. J'ai trop mal aux pieds. Waouh! Ouais! Wouhou! J'ai trop hâte de voir tous les superbes dinosaures à Dino Park. Waouh! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas, Hugo? Je pensais qu'il bougerait et rugirait comme de vrais dinosaures. Ce serait amusant! Waouh! Animi pourrait leur donner vie? Dino-tastique! C'est génial. Hein? Oh non! Les dinosaures s'échappent. Nous devons les trouver avant qu'ils ne mettent le bazar dans la ville. Utilisons nos Takiwaki. Bonjour, Ankylosaurus. S'il te plaît, reviens avec moi à Dino Park. Mila, l'Ankylosaurus est sur le terrain de jeu et il écrase tout. J'arrive tout de suite. Ah, pas dans ma ville. Les balançoires. Je pense qu'elle veut juste jouer. Transforme-toi en belle, Morphel. Mila, le T-Rex est près du magasin de jouets. J'arrive. Mila, j'ai besoin d'aide pour attraper un voleur de chapeau. Agent de police Freeze, pourquoi avez-vous besoin de mon aide pour attraper un voleur? C'est un ptérodactyle. Oh, on est en route. Morphel, transforme-toi en ptérodactyle. Yeah!
Je suis content d'avoir gagné ce ticket. Mais j'ai eu assez d'excitation dinosaurienne pour aujourd'hui. Ceci est ma dernière invention. Oh, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est un super-héros comme toi, Murphel. Je suis ici pour servir la ville. Regardez, il va dans la ville pour aider les gens. Suivons-le. Cool. Tu viens, Murphel? Oui, Murphel, viens. Oh! Danger détecté. Merveilleux. Feu détecté. Suivons-le, Murphel. Éteindre le feu. C'est génial, non? Robot héros est tellement utile. C'est sûr. Le héros Murphel aussi. Oh non, je vais tomber. Danger détecté. Merci Murphel, tu m'as sauvé. Lâchez le garçon. Le robot héros doit le sauver. Tout va bien. Je suis déjà en sécurité. Si vous ne laissez pas le garçon, vous serez considéré comme une menace. Menace? Oh non, ce n'est pas bon du tout. Il faut que j'arrête robot héros. Arrêtez, robot héros. Vous êtes une menace pour la ville. Élimination. Alerte! Danger détecté. Vous avez vu ça? Oui. On dirait bien qu'il a des difficultés quand il y a plusieurs problèmes en même temps. Je crois que je sais comment on peut le vaincre. D'accord. Si nous causons tous autant de problèmes que possible, le héros robot ne saura quoi faire. Et avec un peu de chance, il s'éteindra. Que quelqu'un m'aide! Je vais te sauver. Au secours! Sauvez le garçon. Avec cette nouvelle invention, je vais causer bien trop de problèmes à la ville. Trop dangereux. Aide-moi, aide-moi, aide-moi! Non, aide-moi! Cette invention est vraiment dangereuse. Trop problème. Impossible. Décidé. Mettre en pause. On a réussi! Dommage que ça n'ait pas marché avec le robot héros. Mais pas besoin de lui, puisqu'on a Murphel. Murphel, faisons une farce à papa. Oh, oui. Transformez-toi en moi. Super. Maintenant, mets ces vêtements. Tu es exactement comme moi. Ouais. Faisons une blague à papa. Oh, oh. C'est toi, Mila?
Je ne t'ai pas vu descendre les escaliers. C'est parce que je suis toujours en haut. Ah, mais... Ah, alors, tu dois être Murfel. Ouais. Salut, Mila. Est-ce que toi et Murfel, vous voulez jouer? Mila, Murfel n'est pas là. Oh. Mais, Mila joue. Super. Allons-y. Hugo n'a pas vu que c'était Murfel. Salut, Mila. À quel jeu jouons-nous, Mila? Tu es toujours si douée pour réfléchir à des jeux amusants. Ouais. Au loup. Ok, Mila, c'est toi le loup. Quoi? Oh. Maintenant, il ne te reste plus qu'à toucher Sarah. Mais où est-elle? Je suis dans l'arbre. Je ne pense pas pouvoir descendre. Oh oh. Mila, aide. Attends une seconde. Tu n'es pas Mila, tu es Murfel. Oh. Merci, Murfel. Eh bien, on dirait que Murfel n'est pas avec toi. Oh oh. Mais Stan, c'est pas Murf. Et ça, Murfel, on peut te taquiner autant qu'on veut. Oh. Tu es si petit. Laisse-moi partir. Tu ne peux rien faire. Mais d'où vient cette balle? Aïe! Oh, qu'est-ce qui se passe? Filons d'ici, Stan! Oui! Oh. C'est encore Mila! Laissez-nous tranquilles! Yeah! Tu leur as fait une bonne blague, Murfel! Je m'ennuie tellement sans Murfel! Je vais les chercher! C'est Mila! Non! J'essaye de décorer mon épicerie. Eh bien, moi, j'essaie de marcher ici. Et je suis désolée que mes décorations soient dans le chemin. Non, je suis désolée. Vous faites un excellent travail. Ils se sont réconciliés. Ça mérite bien une récompense. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Je sais ce qu'il faut faire. Mila, Murfel, venez vite! Il y a un animal magique en liberté! Ah! Et il fait des choses bizarres à tout le monde! Mais on fait des décorations pour la Saint-Valentin! Vos travaux manuels peuvent attendre. La ville a besoin de nous. Mais... que se passe-t-il ici? Je sais bien que c'est la Saint-Valentin, mais c'est totalement ridicule. Vous? Je suis sûr que c'est de ta faute, d'une manière ou d'une autre. Hey!
Je ne voulais pas dire ça, Murphle. Je ne me mettrai jamais en colère contre toi. Je t'aime. Mila, à l'aide! C'est l'action d'un animal magique. Non, attends! Murphle! Non, attends! C'est trop dangereux. Tu dois rester ici, sur le sol. Oh, je suis désolée, Murphle. Je n'ai pas pu la voir. Faites-nous confiance, Monsieur Vent Debout. Nous savons ce que nous faisons. Mais... Pas de mais. Murphle, va chercher l'animal magique. Et pour Vent Debout? On ne peut pas les garder comme ça. Oh, toi. Voici l'animal de compagnie magique, Graf. Il peut changer la façon dont la gravité fonctionne pour toutes les choses qu'il a. Waouh! Oh, tu peux changer ma gravité, Graf? Super! Morphle aussi, Morphle aussi! Oh, c'est génial! Oh! C'est intéressant de voir les choses sous un angle différent. Cela me fait changer d'avis sur tellement de choses maintenant. On va prendre ça? Avec les pouvoirs de cet animal magique, nous serons les bandits de la gravité! Nous devons les arrêter, Murphle! Ah, bonjour, l'araignée. Nous devons les rattraper. Transforme-toi en kangourou, Murphle. Regarde, Yann. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, accroche-toi, Porky. Oh non! Nous devons absolument l'aider, Murphle. Transforme-toi en grue. Merci. Nous allons arrêter les bandits, Monsieur Vent Debout. Pourquoi le pont est-il? Oh non! Les freins ont cessé de fonctionner! Transforme-toi en araignée pour pouvoir arrêter le bus avec une toile! Oh, merci, Murphle! Oh non! À l'aide! Oh non! C'est Sarah! On doit faire redescendre sa maison! Transforme-toi en avion! Maintenant, attache-toi!
accroche ces arbres ensemble au-dessus de la maison pour qu'elles ne puissent plus tomber dans le ciel. Ouf, merci Mila et Morphel. Oh non, regarde Stan. Et que dirais-tu de changer encore la gravité? Maintenant, nous devons voler vers eux. Encore une fois, vite! Nous sommes vraiment désolés. Maintenant, vous pourriez nous faire redescendre. Graf, est-ce que tu peux changer la gravité de tout le reste à nouveau? S'il te plaît, ne t'approche pas plus. Ouf. Non, cette araignée ne peut pas m'atteindre. Ouais, c'était une sacrée journée, Stan. Ouais, ça tu l'as dit, Yann. Ah, allons nous coucher. Mais Stan... Ouais? Nos lits sont sur le sol. Oh non. Oh, waouh, une île en mouvement. Elle se dirige vers la ville. Nous allons aller l'explorer, Morphel. Oui. Change-toi en tortue. L'air si triste. Morphel, triste aussi. Moi aussi. Regarde cette petite pierre. Elle est toute seule. Elle n'a aucun ami. C'est tellement triste. Ce n'est pas de votre faute, les amis. Cette île est vivante. Et tous ceux qui habitent sur cette île ressentent ce que l'île ressent. Mais pourquoi votre île est-elle si triste en ce moment? Oh, elle est triste parce qu'une de ses pierres précieuses a été volée par un habitant de votre ville. Oh non! Mais qui a bien pu faire ça? Terre, droit devant! Quelle chance, hein, Phil? L'île nous a suivis jusque chez nous. C'est presque comme si elle voulait qu'on prenne le reste de ses pierres précieuses. Mais d'abord, enfilons ces combinaisons de plongée. Il ne faut pas que nous soyons affectés par la magie de l'île. Ouh, ces pirates, toujours en train de causer des ennuis. Allez, tu dois les arrêter. Toi, arrête-les. Non, toi, vas-y. Morphel, change-toi en gros monstre effrayant. Ah! Non, Morphel, transformé lion. Mais non, Morphel, un lion, c'est pas assez gros. Lion, assez gros. Non, je t'ai dit, ça ne l'est pas. Eh ben, tu n'as qu'à arrêter les pirates tout seul. Morphel, pas besoin, Mila. J'ai peur. Oh non, c'est toi qui me fais peur.
Mila, Mila. Hein? Oh, regarde, Morphel, il est une énorme tortue. Ok. On ne va pas les laisser s'en sortir comme ça. Pas vrai, Morphel? Non, non. Transforme-toi en robot. Voyons s'ils vont toujours aimer cette île après ça. Je crois que ce n'était pas une si bonne idée, Maurice. Sortons d'ici, Phil, vite! On n'est pas des bandits, on est les percepteurs. Ya, princesse, elle est là. Pendant qu'il est parti en voyage, Messire Papa nous a chargé de collecter l'argent. Comme ça, on peut prendre tout l'argent qu'on veut. Eh bien, je suis la princesse maintenant et je dois aider mon peuple. Morphel, transforme-toi en armure de Messire Papa. Messire Papa, donnez-moi cet argent. Oh, Messire Papa, vous êtes des retours, bien sûr. Ok, Morphel, maintenant, allons rendre tout cet argent aux villageois. Ce n'était pas le vrai Messire Papa. Oh, c'est la princesse Lila. Bonjour les percepteurs. Je reviens de mon voyage. Moi, Messire Papa. Mais oui, bien sûr. Tu ne nous piégeras pas deux fois. Enlève-moi cette barbe. Oh, Stan, ça ne s'enlève pas. Tire plus fort.
Aïe! Vous avez commis le plus grand des crimes de tout le pays. Tirez sur la barbe du roi. Je vais vous faire enfermer dans le donjon du château. Qu'il était si difficile d'être une princesse. Je me demande comment Lila se débrouille dans notre monde. Mais Stan, maintenant que nous avons fui le royaume, on ne pourra plus jamais être percepteur. Je sais, Yann. Nous ne sommes plus les percepteurs. Et désormais, nous allons devenir... des voleurs. Oui, et nos enfants, et les enfants de nos enfants, et les enfants de nos enfants. Oui. Et les enfants des enfants de nos enfants de nos enfants. Cette girafe a l'air un peu malade, Morphel. Oh, Mila, Morphel, c'est terrible. Tous les animaux du zoo ont attrapé la grippe. Et il faut les emmener voir un docteur. Nous pouvons vous aider, gardien Kenneth. Morphel, transforme-toi en ambulance. Par ici, tout le monde. Vous allez vous sentir mieux en un rien de temps. N'êtes-vous pas content que nous ayons amené les animaux chez le docteur, gardien Kenneth? Oui, bien sûr. Évidemment, je suis content, Mila, mais... mais cet après-midi, beaucoup de gens vont venir visiter le zoo. Et il n'y aura pas d'animaux à leur montrer. Je crois que je sais quoi faire pour régler ça. Repartons au zoo. Morphel, transforme-toi en kangourou. Oh, quelle bonne idée, Mila. Oui, ça pourrait bien marcher. Oh, regarde, grand-mère, un kangourou. Oh, il est très beau, ma chérie. Voyons ce que cette cage devrait avoir. Il y a écrit « tigre ». Je ne vois pas de tigre. Morphel, transforme-toi en tigre. Oh, te voilà. Gardien Kenneth, où est la girafe? Je crois qu'elle est en haut de l'arbre. Elle aime bien faire ça, tu sais. Yo, les singes! Ouh! Y'a quelqu'un dans la famille singe? Pas d'éléphant. C'est étrange. Vite, Morphel! Tu dois te transformer en singe! Non! L'éléphant est le plus important. Fais quelque chose, Morphel! Yo! Les singes! Quoi? Un éléphant? Mais c'est écrit que tu es supposé être un singe. Vous avez dit éléphant? Où est-il? Quoi? Et un lion. Où sont les perroquets? Je ne trouve pas les rhinocéros.
Les crocodiles sont-ils encore endormis? Morphel, tu dois te transformer vite! Oh, waouh! Oh, quel incroyable animal! Waouh, c'est le plus cool des animaux! Bien joué, Morphel!